Nous sommes au bureau du directeur juridique aux affaires étrangères, au secrétaire général plutôt, j'ai pêché un peu. Nous venons retirer les documents que l'on nous a demandé de faire pour l'artiste Koffi Olomide qui le mérite amplement. Donc à ce jour, on lui remet officiellement par le secrétaire général son passeport diplomatique avec le titre de conseiller ambassadeur culturel. Voilà. Monsieur le Président, nous viendrons pour vous faire le rapport de visu une fois que nous aurons terminé ici avec les autorités des affaires étrangères. Là, que tu veux bien annoncer à tes nombreux fanatiques? Alors, je suis venu le cœur plein de bonheur, dire merci à mon pays, à la nation congolaise et au premier des Congolais, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il a bien voulu faire de moi l'ambassadeur de la culture de notre pays. Okay. Et m'a octroyé un passeport diplomatique qui m'a été délivré mercredi passé aux affaires étrangères par le secrétaire des affaires étrangères. Je suis vraiment ému, je voudrais le remercier parce que des artistes beaucoup plus valeureux que moi avant moi n'ont pas eu cette chance. Je ne sais pas dire si peut-être parce que ce n'était pas lui qui était là. Je voudrais donc voilà, il est là. Il est rouge. Il est là. Non, je peux, moi je vais toujours. Voilà. Passeport diplomatique attribué à Monsieur Koffi Olomide de nationalité congolaise comme ambassadeur de la culture. Voilà. Ah ben, félicitations. Donc, merci beaucoup. Je voudrais remercier. Je voudrais dédier cet honneur. Je voudrais partager cet honneur à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance et qui sont partis. Okay. Je pense à Papa Wemba, je pense à Madilou System, je pense à Taboulé Ochoro, je pense à Grand Maître Franco, je pense à Emenea, Pépé Calé, à Betty Masikini. Donc je voudrais partager cet honneur avec ses aînés et ses frères qui sont partis, les autres peut-être que j'ai oubliés. Et encore une fois, redire mon respect, mes remerciements, ma gratitude à tous les Congolais, à toute la nation, parce que enfin, j'ai l'impression que nous avons un chef qui pense. Et Dadju, deux artistes congolais de renommée internationale, ils ont reçu récemment du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des passeports diplomatiques pour continuer à faire réunir la musique congolaise dans le monde. Ces deux frères qui ont endossé officiellement le rôle d'ambassadeur culturel de la RDC avaient échangé avec le président de la République à la Cité de l'Union africaine. On fait le point avec Guilin Kabaloudi. Les frères Gims et Dadju, artistes musiciens de renommée internationale, ont été faits ambassadeurs de la musique congolaise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, ces célèbres musiciens ont reçu du chef de l'État les passeports diplomatiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a une carte à jouer et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise et du Congo à travers le monde, même si on a évolué en France. On sait que Kinshasa aujourd'hui c'est la capitale de la francophonie, c'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal, mais voilà, donc on est super content aujourd'hui. On a été entre autres décoré, on nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste. Donc voilà, on est très content d'être vu, considéré comme ambassadeur entre guillemets et voilà, ça va être un gros projet. Par ailleurs, les deux stars ont annoncé aux garants de la nation leur projet culturel de construire dans un bref délai des studios d'enregistrement au standard international, projet dont ils ont reçu le soutien total du chef de l'État. L'idée, c'est d'ouvrir des studios d'enregistrement, parce qu'un pays comme le Congo, une ville comme Kinshasa ou même Lubumbashi, toutes ces villes-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c'est de faire un festival annuel qui pourront ramener des artistes du monde entier. Avec les connexions qu'on a aujourd'hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo soit un lieu, il faut que ça devienne Dubaï. Ça veut dire que Dubaï, c'était le désert, il n'y avait rien du tout. Le Congo, c'est un pays qui a des siècles d'histoire, donc il faut en faire quelque chose. Maître Gims, un mot à Lingala. Nim, Nalo Banim.
Ok, donc en direct, Namabele Oyaper Kimbangu, ça veut dire que la terre de nos ancêtres, Namoko Mwarakin, Nabotama Awa, dédicace à Defa au père, son âme. Yem Tamema Kinga, sur ses genoux, hein, dans l'avion, Air France. Nago Lobalinga là, mais le col à moi la poteau quoi. Voilà. Donc, Fils du chanteur congolais Juna Janana du clan Zaïko, Maître Gims et Dajou sont arrivés à Kinshasa le week-end dernier pour notamment rendre hommage au chanteur Defao inhumé à Kinshasa le 22 janvier dernier. Partons. Nous sommes au bureau du directeur juridique aux affaires étrangères, au secrétaire général plutôt, j'ai pêché un peu. Nous venons retirer les documents que l'on nous a demandé de faire pour l'artiste Koffi Olomide qui le mérite amplement. Donc à ce jour, on lui remet officiellement par le secrétaire général son passeport diplomatique avec le titre de conseiller ambassadeur culturel. Voilà, monsieur le président, nous viendrons pour vous faire le rapport de visu une fois que nous aurons terminé ici avec les autorités des affaires étrangères. Bana Belgique, bana France, bana Allemagne, bana Hollande, ngongana bino kokia délivrance. Tokozalana bino le 26 février et kozalana 15 à côté à Gare du Nord. Tozana bezeboya ebele, mingi mingi nazana bezeba o batambola partout, baluka ba délivrance ba zwate. Boya ko vivre nenge boko bika mokolwana, boko kangwama. Tozo kozela bino na moto. Il voyageait en Galilée, prêcha l'évangile, chassa les démons et guérissait des malades, il ordonna. À un esprit impur de sortir d'un homme, guérissez la belle-mère de Simon Pierre et purifiez un lobré. Wana Moussaï à Jésus-Christ de Nazareth, Oya Salaka, paix et commandement dans ma commune ailleurs, dans Marc 1, 21-45. Nayango, Moussaï Yango, Jésus-Christ de Nazareth, à paix si paix, Nabasel Naye, Oyo et Ali Bongo, apôtre Martin Makoma et Longo. Na prophète Moïse Makoma, Oyo Wapi, Jésus-Christ de Nazareth a Tindi Bango na 2022 Oyo, le 26 février, na Bruxelles, capitale ya Belgique, Poba na Yanzambe, Mazolobiko, surtout que Moutoumokote a koutala na Jésus-Christ de Nazareth a Songaka Lolenge Ayaka. Tala, le 26 février 2026, Yo Kozali na Bruxelles, capitale ya Belgique, Kozangate, na journée ya délivrance, Oyo Nzambe, Akosala, Bilembo, Pebi Kamus. Le 26 février à partir de 15h, ne manquez pas. À travers Basel Nzambe, apôtre Martin Makoma et l'ongola prophète Moïse Makoma, Moto Kana Nzambe, Moto Oyo, Mili Mounio sur la Chétani. Loba, bonjour. Bonjour. Loba, comment ça va? Le 26 février 2022, Oyo, Kozanga Tena Mobangi na délivrance, Oyo et Kosalema, la capitale de Belgique. Le 26 février, Mokomona Loboko Nanzambe. Loboko Nanzambe za mokusete pona ko sungayo. Misunaye e kangamite pona ko mona souffrance na yo. O souffrir beaucoup. Motamboli partout, tozali kozela ba o bakenda partout, ba futa ba tike partout, mais mokolo yango loboko nanzambe e ko sungayo, okozala na délivrance totale. Alors bopé sande mité manabino mokolo yango, zambe nabino ako sale na yo. Jésus-Christ de Nazareth, aza les seules les solutions. Amen. Tozo kozela bino na moto. Bisabango rendez-vous à Moko Saint-Valentin le 18 février 2022. Donc à Liessan, au numéro 1 rue René Maillard 77 127. Venez nombreux, papa. Bimisa mère, Rolbaron Naraï.
kifiso kya bono koyokaye Juna yo baby si dinanga dibela ola tsegi toko kwa sombela mera la tabianza la dia bonga yo pe bonga boya ndule ya wasole wanga papa bo ani pa manke donc le 18 février vendredi 18 février Et à du soboli, le lobby, mon toit, Zangi, mon lingua, comme mon âme, même pour le lot. Rendez-vous à part, mon con. Le 18 février, la vieille saint. Donc, je vous confirme, moi, monsieur Modogo, à part moi, invité, ça ne va pas vous, soleil Wang. Afin de péter à Kanisi Bandekonaye, à l'objet Luciana de Mingongo, Zalawana, je serai de la partie. César Ndati, le 18 février, Saint-Valentin avec Soleil Wanga invité Serge Mabiala alias Bene Nombre. Check, check, c'est du cap la merveille et PIB de or. Bon amour à tous soutenir Fondation Yavina Bissot. Et ma meilleure fondation du SAD ici. Azor assuré, obsèque, Azor assuré, habitation en Europe. Pas de dire la cause, Azor assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africaine. Et ma meilleure, Tala, yo yeli soussou, non, les SAD ici assurance. Yo oyolingi, on s'assuré, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali. Mituel de santé, Ezali, assurance auto, Ezali, Namisusu Oyo Koluka, Nianso Ezali, Nalisalisi assurance. Nous avons vu le traitement, nous avons vu que nous avons vu vraiment tout soutenir, c'est une bonne idée. Nous avons vu que la fondation Lissalisi, le père Emamea, on a la vérité, le côté Zate, Banda et Banda, fidélité, Tchouna Djanana RTR, le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Et ma mère a eu la fondation de Salis. Et na bateau va jouer au bateau pour nous, faut la bien, et ça n'a pas tout, va jouer sans la paix qui est comme nous. Pourquoi la vie n'a pas eu ma mère? La sireur qui assure la diaspora africaine. Le handicap, la merveille, pour soutenir la fondation de Salis, il y a bien un abisso et ma mère. Automobile, le permis français, le permis étranger, nous sommes. Il y a un amour, au revoir, papier en silence. Fondation de Salis. On a pas mis à Congo, mais Fondation de Salis, solution panne, ce qui panne était what? Ciao! Chez Djongade, Ngandantaba, Oye Zali Capital y ambiance. Awa nakati ya Paris, Isika Oyo, Moto Nyonso, Azali Koya pona kose detendre kitoko. Pona Saint-Valentin Oyo, Bwebake chez Djongade Ngandantaba, Bachelebino 3 jours y ambiance, pona kofete Saint-Valentin. Ça va chauffer! Vendredi 18 février 2022, Bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 Double Office. Oyo ako bini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikoloyo na niveau ya deux fois te ozako lia ozako bina ozako sepela Saint Valentin pe samedi 19 février 2022 Bokozwa CNL Alligator et les autres bako sepeli sabino na musique kitoko po awa irataka na ngote pe dimanche 20 février 2022 sombele suka bisanga Bokozwa Emile Elias de Mingongo la voix qui cloche et le mona wenge musica pousse la tofanda ça va chauffer et cause la somme on a niveau à deux fois te pour se djonga denga dans taba trois jours ya Saint Valentin et cause la somme adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly tope obengi
na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 oza mobimba chez Djonga denga nantaba yangonde zali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort, ba supporter ba gangi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base